Bonjour à tous. Alors, je voulais vous présenter cette jolie petite brassière. Alors, c'est taille naissance. Voilà. Alors, la laine, je sais pas, je m'appelais plus si j'ai dit dans la vidéo. Je vous mettrai le lien de la laine sous la vidéo. Par contre, cette couleur n'existe plus, mais il existe plein d'autres couleurs. Donc, c'est Asiane, hein, les petites pelotes de Rosalie. Et c'est la bambou Baby Soft Fine. Je vous mets le lien sous la vidéo, n'oubliez pas. Ensuite, j'ai utilisé un crochet numéro 3,5. Je vous dis brièvement à la fin comment agrandir la brassière. Il suffit d'augmenter de 2 mailles en 2 mailles. C'est un multiple de 2 le motif. C'est un multiple de 2, hein. Évidemment, si vous voulez faire du 1 an, il suffira. Là, j'ai 10 rangs. Si vous voulez faire du 1 an, vous mettez plus de rangs, évidemment. Vous commencez par. Vous faites 3 rangs de plus, par exemple. Vous voyez par rapport à la taille désirée, hein. Vous ajoutez 3 rangs ici, 3 rangs là, évidemment. Il en faudra aussi dans le dos, pareil. Et c'est pareil pour les manches, hein. J'ai mis ça. Il faudra aussi rajouter des rangs, évidemment, c'est pareil. Allonger les manches par 2 mailles. La longueur que vous voulez par rapport à la manche. Mais l'idéal, quand même, ça reste une petite brassière bébé naissance. C'est vraiment adorable. Voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors, on va monter 40 mailles avec un crochet numéro 3,5. Très souplement. Et on va faire 40 mailles. Alors, on a fait notre chaîne de 40 mailles. Maintenant, on va faire une maille en plus. Et on va faire 9 mailles serrées. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, jusqu'au bout, on va faire des brides. Donc en tout, on aura 31 brides. Donc vous allez faire vos 31 brides jusqu'au bout. Et on se retrouve. Voilà, j'ai fait donc mes 9 mailles serrées au début et 31 brides ensuite. Là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne au travail. Et ensuite, bon, ici, ça correspond à la première bride. Ici, c'est une maille de séparation et on va faire la bride d'après. Et on va faire une bride. Ensuite, on va refaire la bride ici. Comme ceci, donc on a croisé nos brides. On recommence, on saute une bride, la bride suivante, une bride, et ensuite on refait la bride dans la première. On saute une bride, la bride suivante, une bride, et on retourne dans la première souplement, et on fait une bride. Une bride et donc ça fait des brides croisées tout simplement. C'est simple, hein, on saute une bride et on retourne dans la première. Comme ceci. Une bride sur la seconde et on retourne dans la première. Faites les souplements, hein, parce que sinon ça va donner à rétrécir. Donc là, une bride normale à la seconde et à la première. On sort le bras, on le tire bien et on ressort. On prend, on rentre.
Et ceci, juste avant la fin des My Series, on se retrouve. J'ai terminé et on obtient 15 brides croisées. Voyez? Comme ça, vous aidez, vous ne pouvez pas vous tromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Comme ça, vous savez où vous arrêtez, vous ne pouvez pas vous tromper. Et là, on arrive aux mailles serrées. Et les mailles serrées, on va prendre le brin arrière. Donc, on ne pique pas ici, mais on va piquer derrière. Vous voyez, on ne pique pas là. Mais on pique derrière. Comme ceci. Sans vous connaissez, hein. Comme ceci. Jusqu'à en avoir 9. Et 9. Par contre, vous les serrez, quand vous le faites assez serré, hein. Comme ça, ce sera bien plus élastique. Une maille en l'air, et pour pas vous tromper, pour le reprendre, vous voyez ici directement, là, vous voyez, directement, vous faites, hop, vous retournez et vous faites votre maille serrée. Et ensuite, vous reprenez derrière, vous voyez. Et vous faites vos 9 mailles serrées. Bien serrées, hein, comme ça ce sera bien élastique. Après, évidemment, le reste, vous crochetez souplement, hein. Comme ceci. Ce que vous faites pour avoir le bon nombre, vous les comptez à chaque fois. Comme ça, moi, vous ne trompez pas. Et là, maintenant, on arrive sur un motif. Et sur chaque motif de bride croisée, on va faire des brides dessus. Voilà, c'est tout simple, hein. On fait bride sur bride. Sur les brides du rang précédent. Allez, vous faites ça jusqu'au bout et on se retrouve. Voilà, j'ai fait les 31 brides, donc bride sur bride. Dessus. Et là, on va recommencer le motif. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on va sauter la bride ici et la seconde. On va faire la bride et ensuite on reprend la première souplement, n'oubliez pas, hein. On saute une bride, la seconde et ensuite la première, n'oubliez pas, hein. Tirez bien votre fil quand vous faites la première, la première ici, là vous prenez, vous tirez bien comme ceci. Allez, je vous retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé le rang. Si vous avez peur de vous tromper pour les mailles serrées, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre un marqueur à chaque début de maille serrée, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper, d'accord? Et là, vous reprenez par derrière, en serrant bien une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà ce que ça donne, vous voyez? Voilà ce que ça fait.
Alors là, on a fait 4 ans. Et vous allez encore en faire 5. 5 ou 6, hein, si vous qui voyez, si vous voulez vraiment très large. Allez, vous faites encore 5 ou 6 rangs comme ceci, là. Et on se retrouve. Et comme je disais, pour pas vous tromper, vous faites une maille en l'air. Et directement ici, vous voyez, pour pas vous tromper pour la première, hop, vous la faites et vous retournez. Et ensuite, une, deux, trois, quatre, cinq, six, et neuf. Et là, vous reprenez dessus et vous faites bride sur bride jusqu'à avoir 9 ou 10 rangs en tout. Alors j'ai continué et j'ai fait 10 rangs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai fait 10 rangs. On se retrouve donc là, évidemment c'est le col, hein. Là le devant est fait. Faire une maille en l'air, on va faire nos 9 mailles serrées, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8 et 9. Maintenant, on va faire 10 brides. Une, deux, trois, quatre. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. En fait, ça va être pour l'épaule. Maintenant, on va faire la manche. Là, on a fait 10 brides pour l'épaule et maintenant on va faire 10 brides pour la manche plus 4 mailles serrées. Donc on va faire 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15 et 16. On en fait une maille en l'air et on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Alors ces 4 mailles serrées correspondent au poignet. Ensuite, on va faire le motif, donc on saute une maille, la prochaine on fait une bride, on revient sur la maille de départ d'avant, donc on fait notre bride croisée. Eh, ça coince. Comme ceci. On saute une maille serrée, la prochaine, une bride. Et une autre bride dans la première. On saute une bride, on fait une maille, on fait une bride dans la seconde. Et on revient, on fait une bride dans la première.
On continue, on saute une maille, on fait dans la seconde. Que je me trompe pas. Et on en fait une dans la première. Une bride dans la seconde et une bride dans la première. Une bride dans la seconde et une bride dans la première. Voilà ce que ça donne. On obtient 1, 2, 3, 4, 5. On obtient 6 motifs pour la manche. Donc ensuite, on continue. On saute une bride. Et dans la première, une bride. Et là, on recontinue notre motif normalement. Et là, la dernière. Ça fait que pour la manche, on obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs pour la manche et 1, 2, 3, 4, 5 pour le corps. Voilà. Donc on a 11 motifs en tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 motifs en tout pour l'épaule et le bras. Et pour la manche, du moins. Voilà. Et là, on continue. Nos mailles serrées. Donc on continue nos mailles serrées. Comme ceci, une maille en l'air. Là, on prend ici directement. Et là, on retourne. Comme ça, on ne peut pas se tromper pour la première maille en l'air. Des fois, on ne sait pas trop où elle est. Là, de cette façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, on va faire le motif, on va faire donc les brides sur chaque bride. Alors vous êtes rendu compte hein, que je fais très serré au niveau du col. Mais pour les poignets, je ferai un peu plus lâche, hein, sinon ça va être trop serré après. Alors là, je fais mes brides. Les brides. Ça, on ne peut pas vous tromper, hein. Vous guidez avec les brides croisées, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper quand vous arrivez aux mailles serrées. Vous voyez là, il y a une bride croisée, donc vous faites encore deux brides.
Et là, vous savez que c'est les mailles serrées. Là, on va les prendre plus souplement. Donc, on va en avoir une, deux, trois et quatre. Une maille en l'air. On reprend la première ici. On retourne. Donc, on en a une, on en a deux, on en a trois. Et on en a quatre. Et là, on va reprendre le motif. Donc, on saute une bride. La prochaine, on fait une bride croisée. Alors, vous voyez ça. Donc c'est la moitié du devant-devant, voilà. Là c'est l'épaule et là c'est la manche. Et vous allez me faire tout ça, toujours pareil, hein, 9 mailles ici serrées, votre motif, et n'oubliez pas, vous avez 4 mailles serrées en bas pour le poignet. Et vous allez me faire ça une dizaine de rangs, et on se retrouve. Alors je vous montre, donc là on a fait le devant, et là j'ai fait ma manche. Et pour la manche, j'ai fait 13 rangs. On la plie. Voilà ce que ça donne. Pas la peine de faire plus large, hein. Vous voyez là, j'ai fait assez souplement comme ça, là, c'est assez grand. Voilà, donc j'ai fait 13 rangs. Je me suis un peu avancée, hein. J'ai commencé et j'ai fait 'maille serrée à la bordure. Maintenant, on va faire cette partie-ci toute large dans le dos. Donc, on va faire ici. Donc là, on a fini la manche. Quand vous avez repris, là, on va faire 10 brides. Une, deux, trois, quatre, cinq, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc vous voyez, 2, 4, 6, 8, 10. J'ai fait 10 brides. Maintenant, on va faire le corps. Parce que le morceau entier, comme ceci. Voyez, maintenant on va faire comme un devant. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Donc on va faire très souplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et la 21e bride, ce qu'on va faire, la 21e, on va faire 1, 2, 3, et voilà 21e. On a fait la 21e avec 3 mailles en l'air. Donc on va compter 1, 2, 3. Pas dans la quatrième, mais dans la cinquième, on va faire une bride. Comme ceci. Donc en tout, au lieu d'avoir, vous avez 20 brides, plus 3 mailles en l'air, ça fait 23. Enfin, 23 mailles en, 20 mailles en l'air plus 3. Ça fait 23 mailles en l'air pour continuer le dos. Et là, on commence le motif, on reprend la maille d'avant et on fait une bride.
Et l'on recommence. On va faire le même principe. Très souplement, hein, sinon ça va être tout ratatiné. Faut absolument faire les mailles serrées très très souples. Et là, on recommence le motif. Vous connaissez maintenant, hein, et on le fait et on se retrouve ici. Donc j'ai terminé. Voilà, je mets dans le bon sens. J'ai terminé, j'ai mes 20 motifs. Si vous n'avez pas compris, comme je disais, il vous faut 20 motifs, mais par contre, il faut une bride au bout. Donc, ce que vous faites, pour commencer, hein, vous faites vos 20 mailles. Chaque maille contribue à une bride. Et il me faut une bride à la fin. Donc, moi, j'ai rajouté 3 mailles en plus pour faire la bride. Donc, en tout, vous mettez 23 mailles en l'air. Et 3 mailles en l'air comptent pour la première bride. Donc les 3 mailles en l'air contribuent pour la première bride. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il vous faut 20 motifs, mais il vous faut 23 mailles en l'air pour ajouter, vous voyez? Comme ceci. J'espère que je me suis fait comprendre. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Hein. Voilà, donc. Je disais, il faut 20 mailles avec 10 motifs, mais ajoutez 3. Donc, vous faites une chaînette de 23 mailles quand vous avez fait votre épaule. Voilà. Et là, je vais continuer. Mon motif. Jusqu'en haut, et comme et vous finissez par vos 2 mailles serrées, vos 9 mailles serrées. Donc, j'ai fini mon rang jusqu'en haut, donc mes 10 motifs ici pour le corps, mes 5 motifs pour l'épaule et là le col. Je me suis avancée, donc on va le plier. Donc comme vous voyez, là, j'ai mon devant, j'ai ma manche, et on retourne, vous allez voir, hop, on retourne. Et là, maintenant, vous voyez, on va faire le dos. Et pour faire le dos, évidemment, c'est équivalent à deux devants. Donc vous allez faire des brides. J'en avais fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et maintenant, vous allez faire 20 brides. Parce qu'évidemment, c'est un dos. Donc, c'est deux demi-devants. Donc, vous allez faire 20 brides avec votre motif. Hein, voilà. Vous faites 20 rangs. Donc, vous faites 20 rangs. Le double d'un demi-devant. Et vous aurez votre dos. Et après, on arrivera dans l'autre sens. Et on recommencera à faire la manche. Et là, on continue. On fait les brides normales. Évidemment, hein, vu que c'est le bas, il n'y a plus de mailles serrées. Hein. Vous allez le faire droit. Et vous faites vos brides jusqu'en bas. Et là, on arrive à la fin. Hein. Évidemment, ça se termine par des brides. Voilà ce que ça va donner. Donc maintenant, vous faites vos 40 rangs pour le dos, donc le double de largeur d'ici. Voilà. Allez, on se retrouve après. Alors voilà, j'ai terminé le dos.
Alors, je disais, le devant, il y a 10 rangs. Et le dos, par contre, au lieu d'en avoir 20, on en a 21. Ça n'a pas d'importance, hein, parce qu'on va faire une petite bordure devant, donc ça a compensé la largeur. Voilà ce que ça fait, vous voyez. Hop. Une fois plié, voilà. Et là, on va recommencer la manche. C'est exactement le même travail qu'on a fait de ce côté. Donc là, vous faites ceci. Je vous montre, hein. Comme ceci. J'ai perdu une maille. Et là, on va faire donc 10 brides. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et 10. Donc ensuite, on va faire la manche. On va faire nos 12 mailles en l'air. Une, très souplement, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il y aura 12 brides qui équivaut à 6 motifs. On va vérifier de l'autre côté si on ne se trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a 6 motifs, donc on va faire. Donc c'est un multiple de 2, hein, donc on a 12 mailles. Plus 4 pour le poignet. Donc on rajoute 4. 1, 2, 3 et 4. Là, on fait une maille en l'air de départ. Et là, on fait nos mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Et là, vous reprenez la même chose que l'autre manche du début, hein. On saute une maille. Et dans la suivante, on fait une bride. N'oubliez pas, hein, comme je dis à chaque fois, très souplement la chaînette, hein. Et là, on reprend la première. Comme ceci. On saute une maille, on va dans la suivante. On repique dans la première. On saute une maille, dans la suivante, une bride. Comme ceci, on saute une maille dans la suivante, on fait notre bride, on refait la première bride croisée par devant, on saute une maille dans la suivante, une bride, on reprend la première qu'on croise devant. Ensuite, une maille et on reprend la première. Et si je me suis pas trompée, on doit avoir 6 motifs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mal piqué la maille là par contre. Voilà. Donc on a bien nos 6 motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la manche. Et là maintenant, on va se mettre dans le bon sens. Voilà, je me mets du bon côté. Et tourner, voilà. J'étais comme ça, hein, mais je me suis retournée. Et là, je me mets du bon côté. Ça fait que ça a un peu tordu la chaînette, mais ça ne se voit pas du tout. Hein. Ne vous inquiétez pas. Comme ceci. Et là, on continue.
les brides croisées jusqu'en haut. Voilà, j'ai fini mes brides croisées, donc sur l'épaule, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 5 brides croisées sur l'épaule et 6 pour la manche. Voilà, et là, hein, vous connaissez, hein. Vous faites vos petites mailles serrées jusqu'en haut. Allez, je retourne au temps si on se retrouve. Alors, donc là j'ai continué, j'ai fait mes 9 mailles serrées. Et maintenant, vous faites votre manche. Vous faites autant de rangs que vous y avez fait sur le premier rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc vous allez faire 13 rangs. Là, vous faites vos 13 rangs pour la manche. Et n'oubliez pas, surtout la fin du rang, de faire vos mailles serrées pour les poignets. N'oubliez pas surtout, hein, là il y a les poignets, hein, c'est les manches. Voilà, et on se retrouve pour la suite. Alors voilà, ça y est. J'ai fait mes 13 rangs, donc, pour la manche. Alors une chose, si vous trouvez trop juste pour votre manche, vous pouvez mettre un rang de plus, hein. Vous pouvez mettre 14 mailles, hein. Enfin, je veux dire 14 rangs, il n'y a pas de souci, hein. Si vous trouvez le poignet trop petit, vous pouvez mettre un rang de plus. Et maintenant, on a terminé donc la manche. On va attaquer le devant. Le devant, hein, ça va être le même système que le dos. Donc là, donc, j'ai fait mes 13 rangs pour la manche. Là, je me suis avancée. Donc avec maille serrée, comme d'habitude. Et là, on va faire nos 10 brides comme d'habitude. Alors que je compte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Maintenant on va faire le devant, et devant, donc maintenant on va reprendre, on va faire donc 20 mailles en l'air, donc équivaut à 20 brides plus 3 de plus pour le début du rang. Donc on va faire une souplement, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 mailles qui correspondent à nos 10 motifs qui sont multipliés par 2, donc ça fait 20 mailles. Plus 3, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va compter là 1, 2, 3, 4 à la cinquième. On fait notre bride, notre première bride. Et ensuite, on recommence. Hein. On refait la bride juste avant. Comme ceci. Et là, vous refaites, hein, vous connaissez, maintenant, vous sautez une maille. La suivante, une bride. Et la bride d'avant, vous faites une bride croisée. Et vous faites ça. Voilà, je me mets à l'envers, mais c'est comme ça, voilà. Comme ceci, et vous faites vos brides croisées, donc, jusqu'en haut. Et si vous n'êtes pas trompé, vous devez avoir vos 10 motifs. Donc on se retrouve avec nos 10 motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors par contre, hein, ça c'est comme ça, on se retourne. Hein.
Ça, c'est tordu, mais ça n'a vraiment pas d'importance. Ce qu'il faut reprendre, bien sûr, sur l'épaule. Et là, on continue. À faire les motifs, hein, tout le long. Voilà. Donc là, ce sera le devant. Comme ceci, comme ceci. Là, la manche est pliée. Comme ceci, maintenant, vous allez faire donc l'autre côté. Et donc, vous allez faire 10 rangs. Là, on en a fait 10 pour débuter. Et là, vous en allez faire 10. Et là, on aura terminé le travail. Après, on va faire les petites finitions. Alors voilà, j'ai terminé donc mes 10 rangs. Voilà. Alors ce qui reste à faire, simplement un petit peu de couture, juste recoudre du poignet dessous et sur le côté. Et l'autre côté pareil, du poignet et hop. Donc la couture de chaque côté, hein. Une petite couture. Sur le côté, voilà tout simplement. Et là, on est en bas, vous voyez. Donc dans l'angle. On va faire une maille en l'air, on retourne et on va faire une maille serrée. Dans toutes les mailles, jusqu'en haut, vous arrêtez avant et je vous fais voir pour mettre la boutonnière. Alors on arrivait donc en haut du col. On va faire des mailles serrées tout le long. J'ai pris un bouton assez joli, assez grand. Donc on va s'arrêter à une, deux, trois mailles de bord. On va faire une, deux, trois mailles en l'air. On saute une maille et à la prochaine, on fait des mailles serrées. Voilà ce que ça donne. On vérifie si le bouton passe. Voilà, donc impeccable. Voilà ce que ça donne. Je coupe le fil. On va le cacher. Ceci. Alors voilà la boutonnière. Et ce que je vais faire, aussi un rang de mailles serrées sur la bordure aussi en bas. Ce que vous pouvez faire, ouais, c'est j'ai mis un petit bout. Si j'avais su, j'aurais mis
un plus grand bout, mais c'est pas grave, hein, ça se cachera. Une maille en l'air. Et là. Vous faites des mailles serrées jusqu'en haut et vous coupez votre fil. Vous faites pareil que l'autre côté. Et puis, vous cousez le bouton. Alors, j'ai fait ma rangée de mailles serrées. Ce que je vais faire, je vais couper un peu plus long. Je vais sortir le fil. Et ce que je vais faire, je vais le passer dedans. Et je vais coudre mon bouton avec ce fil. Voilà. Après, hein, vous mettez un bouton que vous avez sur la main. Voilà ce que ça donne. Et là, plus que les coutures à faire sous les bras, vous rentrez les fils et c'est terminé. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez faire plus grand, vu que c'est un multiple de 2, par exemple, là j'ai fait une taille naissance. Si vous le faire pour 3 mois, vous pouvez ajouter à chaque fois. Vous laissez pareil, au niveau du col, vous laissez pareil. Hein. Pour moi, c'est suffisant pour les autres tailles. Si vous voulez faire une taille 3 mois, vous ajoutez 2 mailles, vu que c'est un multiple. Par rapport à notre quantité, vous ajoutez 2 mailles de plus. Ensuite, si c'est pour un 6 mois, si c'est plus grand, vous rajoutez 4 mailles. Donc, 2 motifs de plus, etc. Évidemment, les manches seront plus grandes, évidemment. Ce que vous pourrez faire, par contre, c'est au niveau du poignet. Par exemple, en 3 mois, vous pouvez mettre, au lieu de 4 mailles serrées, vous pouvez mettre 5. Et du 6 mois, vous pouvez en mettre 6. Comme ça, les poignets seront plus grands. Voilà, vous pouvez vraiment adapter à votre envie. Hein. Et n'hésitez pas, si vous avez un souci, je suis là. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt. À bientôt, salut.